c'est Arco08. Aujourd'hui j'ai fait une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve pour un nouvel Let's Play GTA 5 avec un tout nouveau mode graphique. Alors voilà, vous pouvez voir que tout de suite, il y a un gros changement. C'est GTA 5 Remake. Enfin, un gros changement, surtout au niveau des plantes. Vous allez voir qu'il va y en avoir très souvent. Bon, il y a les rayons du soleil qui sont changés, il y a tout, vous verrez. Alors, voilà. Donc, c'est bon, hein. Alors, hop, donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Ok, alors avec Michael, visiblement, j'ai rien à faire. On va du coup changer de personnage. Oui, on va changer de personnage. Je pense qu'avec Trevor, j'ai des trucs à faire. En fait, je suis même pas sûr que ça marche comme ça. Que c'est pas. Peut-être que tout est affiché sur la map et je suis pas au courant. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, no clothes. No car. No problem. C'est bon, je peux changer? On est pas mort. Alors, est-ce que j'ai un truc à faire? C'est quoi ça? Mini sous-marin. Je m'en fous de ton mini sous-marin. Alors, on va tester Franklin, hein, c'est le dernier qui reste. Alors, ici ça bug. Ah, je suis dans la maison de Franklin que j'ai débloqué récemment. Ah, attention. Bon, j'ai le P là, je pense que c'est un inconnu et détraqué. Ah non, c'est Beverly. Bah, on va aller voir ça. Alors. Même ici, je trouve le mode graphique il se fait ressentir. Je sais pas ce que vous en pensez. What? Oh, pas beau la voiture là. Tais-toi. Ah oui, même ici, il y a plein de végètes. J'avais pas vu. Ouais, il y a un flou de mouvement aussi que je sais pas si vous aimez bien, moi j'adore. Faut que vous me dites en commentaire si vous aimez bien ou pas, mais moi j'aime beaucoup. Que ce flou de mouvement, je le trouve très bien fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du flou de mouvement et je le retirerai si vous aimez pas. T'inquiète, on va pas faire nuit temps, on va perdre plus de temps, en fait pas sûr. Bon, t'inquiète. Hop, je suis flippé lui. Et hop. J'ai déjà fait ça, non? Benjir. Oh hey, hey homie, come here. You know what? If you thought it was incredible getting a shot of that aging trout the other day, you just wait till we get a picture of Poppy Mitchell getting in a dirt box, man. Beverly, good to see you. No, seriously, dude. Dude, it is a backdoor bonanza where that bitch is concerned. America's newest sweetheart? Man, she likes cotton candy and puffy. Yeah, ain't getting in the bunghole. No, no, seriously, dude. One shot of that dirty little slut monkey and we're in the money, homie. We're in the money. And who says America is going to hell? Well, not me. I... Come on, let's move. Now, remember, dude, this is a covert op. We need to blend in. On va faire ça hein, du coup. Oh, par contre, le jeu est vraiment beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, on va le suivre. Ah, bon, si on marche, on n'est pas prêt d'arriver. Hein. T'inquiète. Il est passé où? Ah, je l'ai même pas vu passer là. Attends, laisse-moi accélérer. Oh, c'est beau ici. Ils nous ont pas vu là, on est trop loin. On est surtout pas dans le point, près du point rouge en fait. C'est la logique GTA ça en fait. Oh la vache, c'est vraiment beau le jeu par contre. Regardez là, les couleurs de l'eau, les couleurs de tout en fait.
you take the camera. She knows me, dude. I'll keep lookout. Ah, d'accord. Ok, bon. I mean, I always watch afterwards and jump up and down, so it doesn't count. What? I'm not releasing a sex tape for at least 3 years, unless my agent tells me to. What? I thought this. I love you, Poppy. I really want us to go places. I thought we could be the cutest teen couple. Bon, ça règle, c'est un petit peu long, hein. Security! Abort! Abort! This way! Come on! Go, go, go! Give me that camera! Get the fuck in the car, man! Hey, je voulais conduire, moi! Bon, t'inquiète. J'aurais préféré conduire, mais ok, Sit there, film that psycho slut! Damn! America's sweetheart is one angry ass bitch! Yeah, I know! She's terrifying! It's perfect! I'll try to lose them! I hope you're getting this! C'est n'importe quoi ce jeu. Bon, au moins ça fait une petite course poursuite où je conduis pas, mais bon. Pour vous, ça reste. Ah, mais. Mais j'ai déjà tout mal à la cadrille. Mais ils ont tout cassé, hein, les débilos. Ah, y'a lui aussi. Ah. Arrête de bouger. C'est pas conduire, hein. Faut que j'arrive à la cadrille. J'ai failli perdre la mise au point. Vous n'êtes que des ordures. Moi je suis. Mais elle est affreuse dans sa conduite. C'est n'importe quoi ces jeux. Sérieux. Vous et tous vos entourages. Oh, c'est trop mignon ces petites menaces. On dirait les menaces en école primaire. Allez. Bon, je suis désolé d'ailleurs s'il n'y a pas eu de vidéo Red Dead Online hier. J'ai eu un petit problème de connexion. Ma connexion était en PLS, j'ai rien pu publier. J'étais un peu dégoûté, je vous avoue. Là, là elle force. Mais shit. I hope this didn't just turn into a snuff movie. Eh, whatever, she's fine. I'll wipe the audio. Oh, I can just see the headlines now. Poppy Mitchell crashes car on drug-fueled sex rampage. Another illuminating experience, homie. Hey, someone's got to do it. I really don't think so. Hey, look, if you don't want to become rich beyond your wildest dreams while performing a vital public service, you won't meet me again. But then again, you're not an idiot. No, I am a fucking idiot. Bon. Voilà. J'ai encore d'autres trucs. Mais oui, bien entendu. Barry. À l'affaire, hein. Hop, paparazzi. Toi, arrête-toi. J'ai besoin d'un véhicule. En plus, c'est un petit véhicule qui a l'air pas mal du tout. On va prendre ça. Merci. Hop, allez, on fonce au prochain endroit. Ma connexion est retour, donc vous aurez la vidéo aujourd'hui assez tard par contre, parce que je la tourne, il est 21h10, donc il va falloir que je fasse le montage en express et que je publie ça en express si vous voulez la voir aujourd'hui. Mon cher petit. So I take it I can count on your attendance, friend. Huh? At the smoke in. Oh non, pas lui. Yeah, we're gonna bring down the government by smoking weed together in a public place. It's very effective. I'm prepared to be a martyr, friend. Are you? Shit, if being a martyr means to smoke good weed, for sure. Would you like a little warm-up? You know, before you go and collect the supplies? Before I what? You know,
Get the supplies. Can't have a smoke in without smoke. You know, cerebral stuff that's gonna get the people up off their feet protesting. Man, I don't know. It sounds kind of bullshit to me. We're gonna crush them with our resolve. Here. Have a little taste of that. Non, non. Allez, c'est reparti pour un truc alien. Purée. Just a mellow, sophisticated high. Man, it seems a little dry. Can't you see the aliens? Man, what else are you taking? Man, this shit is garbage. Anyway, just get the stuff. It's a revolution. And then call me. Crazy motherfucker. Oui, je confirme. Ah. Cinglé. Bon, ça va, j'ai pas vu d'alien, ça c'est cool. J'étais en mode ça y est, on va aller revoir. Et sinon Sinon c'est fini ou pas fini? Oh non, un peu. Je joue pas dans mes contacts plus. Chauffard. Bon bah. Qu'est-ce qu'il me reste? Alors je vois un point d'interrogation mais je le vois pas. Alors à droite de moi, skip. Donc à droite c'est par là. Est-ce que vous le voyez vous? Oh shit. Oh c'est mode ça. Bon, on va y aller hein. Bon, 5 km ça va aller plutôt vite. Ça va nous permettre de faire un petit tour, de parler tranquillou. Bon, le mec là, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, c'est encore une mission qui va être lourde. Non, ça va, ça a été qu'une cinématique. Du coup, on va aller visiter les gens là-haut. Je suis déjà à 200 km/h. Mais... Wouhou! C'est bon, je sais conduire. Vous inquiétez pas. Par contre, je pensais que j'allais vraiment me le prendre. En tout cas, ce mode graphique est vraiment beau, mais je vais plutôt faire Natural Vision combiné à GTA Remake. Mais GTA Remake Mapping, pas GTA Remake Graphique. Parce que Natural Vision, au niveau graphisme, est quand même 100 fois supérieur. Ah oui, d'accord, il y a même des grands arbres, etc. Purée, c'est de l'abus, ce mode. Bon, tant mieux, hein, on va pas se plaindre, mais c'est incroyable, et... Ils ont fait un mode qui est quand même très performant, enfin très bien garni. Et il a. Par contre, il est cher, il a 17,50€ par mois. Moi, je vous rassure, je ne le paye pas. Hein. On a. J'ai. Ben, du coup, j'ai ce qu'il faut pour. Ah non, par contre, vraiment, il est très bien fait hein, le mode. Par contre, le ciel étoilé, il y a peut-être beaucoup d'étoiles, mais sinon, il est bien fait. Hein. De toute façon, je ferai une vidéo de chaque mode présentation, vraiment pour un petit peu changer ça. Ça sortira le mardi, ce ne sera pas des let's play, les modes d'histoire, même si ça se passe en mode histoire. Mais, et ce ne sera pas sous forme en fait de vidéo réelle, ce sera sous la musique. Enfin, un peu comme les trucs de qu'on voit sur YouTube, le 4K, enfin, ça sera ça quoi. Man, fuck this shit. Nice. T'es qui toi? Pourquoi vous êtes tous cinglés dans ce jeu? Wait, wait, wait! Stop! What's the problem, homie? Wait! Carbon-based life form, check. 6 feet tall, check. Slightly excessive adipose tissue, normal distribution. Check. Readings are. Shoot. This little machine is broken again. Check. Stardate 14-9-305. Time is 7:89 past the Manx Meridian. We are clear. Whew. Greetings, CBL. Carbon-based life form. Greetings, homie. Have you seen them, CBL? Seen who?
I don't know. They came to me last week. There was a brilliant joy and a terrible confusion. And they were laughing and screaming and crying all at once. And some said, Omega, we come in peace. And others said, we have come to enslave you. We are an infinitely intelligent race of super cosmic beings. And out of the 6 billion people on this planet, we have chosen you for no good reason. And just then they were about to abduct me and do experiments on me when their ship crashed. Man, you done lost your motherfucking mind. Oui. And now I've got to find the pieces. Man, bullshit. Look, look. See this? If you see some, let me know. Yeah, yeah, okay, I will, man. Ah ouais. Quitter la zone. Cette mission, enfin, ce mec était... Waouh. Je savais que dans en Amérique, ils étaient cinglés. Oui, je confirme, quel cinglé. Des pièces de vaisseau spatial sont éparpillées dans tout San Andreas. Bah, rip. Bon, vous savez quoi? On va faire une petite sauvegarde pour terminer ceci. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, etc. N'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description. Nous sommes très actifs, surtout moi. Et il y a d'autres gens, hein, vous verrez ça. Bon voilà, du coup c'est de voir cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Et peace out. Allez, salut.